Je parie que quand votre patron s'est échappé de l'enfer, il a dit au diable qu'il revenait tout de suite, et le diable lui a répondu « Bien sûr, monsieur Fontaine, je vous garde une place !» Ryan a juré que Fontaine n'était plus que poussière, et vous voilà en train de faire son sale boulot. Ce qui fait de Ryan un minable et de vous un... La paix sous-marine n'était utilisée que par les contrebandiers et les voleurs. Ma main a coupé que l'entrée sera bien cachée pour ne pas attirer l'attention de la police. Allez, ça va. Ainsi parlait le Seigneur. Monsieur Ryan, je crois en Rapture, mais ça ne veut pas dire qu'on gagne toujours. Fontaine Futuristics est ce qui se passe de plus important à Rapture. Aussi, je vais être clair, quand nous arrêterons cette ordure de Fontaine pour vol et contrebande, qu'il soit bien entendu que nous ne toucherons pas à ses affaires. Nous tenons les membres du Conseil parce que ces pauvres sots nous font confiance, pas parce que Dieu nous a donné le pouvoir.
Fontaine nous met la pression, mais pas qu'un peu même. Il nous extorque 80% de notre part, et il menace de nous dénoncer à Ryan si on ne joue pas le jeu. Espèce d'enfoiré. Sammy G est venu me dire qu'il irait peut-être voir la police, et le lendemain, on l'a retrouvé dans un sac au fond du marais salant. Ici, on n'a pas le choix. Si on reste dans l'équipe de Fontaine, on finira sur la potence. Si on fout le camp, on connaîtra le même sort que Sammy G. Doit bien y avoir un autre moyen. Se dérouler maintenant. Il faut retrouver plus loin. Je suis à moins de 100 mètres de ma famille. On est venu ici en croyant faire partie de la grande chaîne de Ryan. Mais la sienne est en or et la nôtre plutôt du genre de celle qu'on traîne aux pieds avec un gros boulet au bout. Il est là-haut, dans la forteresse folâtre, en train de culbuter des mannequins. Nous, on patauge dans ce trou à vider du poisson. Avec Fontaine, on peut espérer mieux. Il est comme nous, vous savez, mais il a jamais eu besoin de travailler. Il dit de le rejoindre à sa boîte de conditionnement à 11h. Je vais y aller avec des gars. On sait jamais, ça pourrait en... Actionnez l'interrupteur dans la cabine de contrôle et laissez-moi entrer. Je crois qu'il est grand temps de nous serrer la main et de faire connaissance. Bien, je crois que la plaisanterie a assez duré. Si vous appuyez sur ce bouton, vous allez comprendre ce que c'est que d'être vraiment mon ennemi. Thank you.
sauter un fusible, je n'y vois rien dans cette cabine. Laissez-moi un instant et je vous sortirai de là. Moira, chérie, est-ce que tu m'entends? Je viens te chercher. Tiens bon encore une minute. Il fait si sombre. Si seulement votre ami pouvait lever les yeux et vous voir, vous pourriez le prévenir. Si seulement il faut quelque chose, n'importe quoi, plutôt que de rester là, à le regarder mourir. Des chromosomes. Ils sont partout. Je ne peux pas les retenir, je dois m'en plier. Sortez ma famille de là. Nous nous regrouperons dès que possible. Il a pu le Sortez si vous pouvez. Sortez, nous nous regrouperons. J'ai passé la matinée à discuter avec la scientifique allemande. C'est vrai qu'elle est traumatisée, comme ceux qu'ils ont récupérés dans les camps. Mais elle n'est pas folle. Elle va gagner tellement d'argent que la fortune de Ryan sera ridicule à côté de la sienne. Elle a simple. Vous vous introduisez comme un assassin avant de filer comme un voleur. Vous n'êtes pas un barbouze de la CIA. Qui êtes-vous? Qu'êtes-vous venu faire ici? Il y a deux manières de résoudre un mystère. Soit le découvrir, soit le détruire. Sortez! Sortez! Gagnez l'Arcadie! Mon Dieu! L'Irlandais obèse m'a proposé un marché. Je leur balance Fontaine et je peux me tirer d'ici. C'est pas compliqué. Mais comment savoir si ce gros lard n'est pas avec Fontaine? Ils sont peut-être tous avec lui. Fontaine a de la dent et tout le monde en veut. Ryan est un beau parleur sapé comme un prince. Même ici, un idiot peut voir de quel côté le vent souffle. Patrick, c'est encore un coup de Ryan. Il attend que nous soyons presque sortis pour nous tendre un piège. On va le trouver, le salopard. On va le trouver, on va lui arracher le cœur. Je suis venu ici bâtir l'impossible. Vous êtes venu voler ce que vous êtes incapable de construire, tel un barbare en admiration devant les portes de Rome. Même l'air que vous respirez est débité de mon compte. Alors, respirez profondément pour vous souvenir plus tard de son goût. Allez à la bâtisse faire des collines roulantes. Elle vous mènera tout droit au démon. Et alors, il sera temps pour lui de payer.
On dirait que des pauvres diables se mettent à voir des fantômes. Des fantômes. Ryan dit que c'est un effet secondaire des plasmides. Les souvenirs d'un crétin sont transmis à un autre par la manipulation génétique. Des fuites, des cinglés, une rébellion. Et maintenant, des fantômes. La vie n'est-elle pas formidable à Rapture ? Vous pouvez m'aider ? Vous pouvez m'aider ?